Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Dinosaur Love, un boys love qui est de 2023. On va le découvrir ensemble. J'ai un petit peu vu donc le trailer, oui, je l'ai vu. Et j'ai lu aussi le synopsis. Alors c'est Rack qui sort avec quelqu'un qui s'appelle Mec, c'est ça? C'est son petit ami. Le problème c'est que Mec s'éloigne un petit peu et... Bah, va le tromper avec un ami à lui, Rack, qui s'appelle Kram, c'est ça. Et donc du coup, bah, difficile, compliqué, Rack va rencontrer Dino. Dino, c'est plus âgé que lui, c'est un senior de l'université, et il va y avoir un coup de foudre. Seulement, Rack, il a été déçu en amour, donc à voir comment ça va se passer. C'est difficile de choisir un boys love, parce qu'il y en a tellement. Vous en proposez beaucoup. Mais c'est vrai que moi, je marche vraiment en coup de cœur, si ça me plaît, tout ça. Et il faut savoir aussi si ça passe ou pas sur YouTube. Bon, après, vous savez, j'ai Patreon. Mais le problème, c'est que sur Patreon, on peut pas commenter. Et ça m'énerve un petit peu. Oui, ça commence déjà. Parce que je trouve que c'est dommage. On n'a pas ce partage qu'on peut avoir sur YouTube. Et je trouve ça dommage. Mais bon, on y va pour Dinosaur Love. On croise les doigts. J'espère qu'il va passer sur la chaîne. Et donc, du coup, allons-y. C'est parti. Let's go. Comme à chaque fois, je vous mettrai en lien dans la description. Et puis, bah, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo, tout ça, hein. Voilà, je compte sur vous. Allez. On commence par une fête. Ok. Donc, pour l'instant, je sais pas qui est Rack, qui est Dino, hein, pour l'instant. Je sais même pas s'ils sont là, finalement. Je sais pas. On va voir. Chiang Mei, mais oui, c'est très connu dans les boys love hein, thaïlandais, Chiang Mei. Ils en parlent beaucoup, hein. Ça a l'air d'un endroit super, en tout cas. Ah, c'est abusé quand même, hein. Oui, mais quand? Quand? Ils sont bourrés, tout simplement. Elle va faire le cochon. Ils sont charmants là, les trois, là, j'ai l'impression, hein. Ah, j'ai rêvé justement d'un endroit où il y avait plein d'animaux cette nuit, c'est bizarre. Ouais, c'était peut-être un signe de ce boys love. Je fais juste semblant. Je sais pas. Tu as fait semblant. De notre cercle d'amis, hein? Notre fac. Un cercle d'amis, d'accord? Bien avec des animaux. De génération en génération. Donc ils se donnent des noms d'animaux, d'accord? Ils connaissent l'histoire. Bah pourquoi pas, oui? Ah, est-ce qu'on va avoir peut-être un flashback? C'est possible. Genre, on est là, et puis en fait, ils nous racontent la fameuse histoire. C'est possible, hein? Ah, ça veut pas démarrer. Ok, d'accord. Donc, il force pour que nous, on sache, en fait. C'est ça. Allez-y, dis oui, je veux savoir. Je déteste les personnes qui vomissent à côté de moi. Oh, ça me fait vomir. Alors. Histoire. Je pense que c'est ça, Dinosaur Love. C'est le titre du Boys Love. Donc on va voir. Ah, c'est Chop Nog BL qui traduisent. C'est cool. Ils sont beaux, hein. Ouh, on aime bien. Oh, il a l'air tout mignon. Dans le rôle de Rock, Rock, Ruck.
il me fait penser à un petit peu à le boys. Ah, oh, je déteste les serpents. On est d'accord, il a un petit air de. Comment il commençait déjà? On l'a fait il y a pas longtemps. The Promise. Oui, c'est ça, The Promise. Il a un petit air. Dino. Ah, ils sont beaucoup, hein. Oulala, là là, bon, on va vous découvrir, hein. Parce que là, vous êtes beaucoup, hein. Waouh! Ok, bon, ils sont énormément. Je fais attention quand même un peu avec le droit d'auteur. J'espère que ça va passer, hein, je croise les doigts. Ils sont tout mignons. Oui, il a. Oh, c'est beau. Il a des airs de The Promise. Ouais, je sais pas, on va voir, mais il a des airs. Mais en tout cas, ça a l'air trop beau. Très charmant, hein. J'aime beaucoup. On dirait un petit rêveur. Oh, le petit chien. Oh. Ah non, il a une bonne bouille, j'adore. C'est son mec. Rack. Rack, c'est le personnage principal qui s'est fait tromper par son mec qui s'appelle Mec. Ah, c'est Kram. C'est l'ami. Mec, c'est son mec. C'est bizarre. Mec, c'est son mec, oui. Il est trop mignon, Rack. J'adore sa bouille. Ah, c'est ça. Ah, et du coup, c'est peut-être comme ça qu'ils se sont rapprochés. On va voir. Normalement, le mec, fameux mec, il sort avec Rack. Mais il passe pas beaucoup de temps ensemble, apparemment. Il est mignon. J'adore sa bouille. J'aime beaucoup. C'est son petit copain américain. Il a. J'ai peur, j'adore. Puis la façon dont il s'habille, les couleurs qu'il porte. J'adore. C'est des couleurs pastel. J'aime beaucoup. Cinquième anniversaire. De ensemble. J'aime beaucoup, moi. Hein, ah, c'est la fin. Il le pense aussi que c'est peut-être la fin de leur histoire. Mince. C'est quoi ça? Oui, j'ai vu ça dans le trailer. Je crois qu'ils vont se rentrer dedans et du coup, il va se passer un truc, non? Un petit robot. Pourquoi ils se bagarrent comme ça? On se croirait dans le début de Bad Buddy. Ouais, ils vont se tomber l'un de l'un. Il est pas mal, lui, hein. J'adore. Avec la boucle d'oreille, là. Il est charmant aussi, hein. Et c'est les deux. Oh. Le coup de foudre. Oh. Moi, j'adore les histoires de coup de foudre. Mais apparemment, ça dure pas longtemps. C'est ce qu'on dit. Et il ressemble vraiment à dans The Promise. Mais je sais pas. C'est peut-être son frère. Oh. C'est mignon, j'adore. Ouais, il ressemble.
Tiens. Ouais, d'accord. Pour réparer son téléphone. Tu peux avoir ton numéro. Il est direct, hein. Il a l'air très direct, hein, ce dino, hein. J'adore. J'aime bien, ouais. Comme ça, moi, c'est clair. Par contre, il doit rien comprendre à ce qui lui est arrivé, hein. Il marchait tranquillement, il s'est fait renverser par un mec qui en plus lui dit, ben, bah, s'il te plaît. C'est ça, qu'est-ce qui vient de se passer? Ah, c'est sympa, j'aime bien. Elle fait du hula hop. Mais c'est pas comme ça, hein. Faut lâcher le cerceau quand même. Rack. Le rendez-vous. Ça doit être la gardienne de la résidence. Il y en a comme ça. Il y a des gardiennes comme ça de résidence. C'est beau. C'est exactement les couleurs que j'aime. Les couleurs pastel et tout. Waouh. Ça veut dire que c'est quelqu'un de sensible aussi en même temps. Ah, j'adore son bureau. C'est trop beau. Il a super bien aménagé. Sa chambre, elle est trop belle. Et les couleurs, j'adore. Déjà, les couleurs qu'il porte, lui, j'adore. Et les couleurs de chez lui, magnifique. Et t'as rencontré quelqu'un, là. Kram, c'est le mec avec qui il a parlé sur le banc. Kram. Et le mec, c'est son copain. C'est ça. Et lui, il voit tout ça, alors que normalement, il est censé sortir avec mec. Hein. Franchement, c'est un peu abusé. Hein. Il lui a parlé juste avant. Hein. Kram. Et genre, c'est son pote. On touche pas au pote. Vas-y, Dino, Dino. Il est beau. Il a carrément fait une chanson. Ils se connaissent pas, hein. C'est un truc de fou. Ils se connaissent pas. Ils se sont rencontrés, genre, en comme ça. Et c'est ça qui est... Moi, j'adore les histoires comme ça. Bon, moi, ça me plaît, hein. Moi, je raffole des histoires comme ça. Donc, oui, c'est sûr, c'est romantique. J'adore les trucs romantiques, vraiment. Et ça, le coup de foot, c'est très romantique. Surtout rencontrer quelqu'un, genre en faisant tomber ou quelque chose. Et tout. Accepte ma demande, s'il te plaît, mais oui! Dis oui, hein, j'espère qu'il va dire oui, hein. Je l'ai lu, mais pas répondu. Je vais rendre des déménagements, pour l'instant peut-être. C'est pour toi. Oh, j'adore. Mais il est trop bien, ce dino. En fait, il part pas de temps, j'adore. Lui, par contre, il doit tout débousseler. Parce que entre mec, crâne, plus là, ce qui lui arrive, ça fait beaucoup quand même. Hein. Mais c'est trop bien. C'est qui? Il n'est pas venu quand même. C'est qui? Je sais pas qui c'est. C'est son copain. Ah bah c'est le mec qu'il a vu tout à l'heure. C'est son pote, c'est Kram. On est d'accord que c'est abusé là, hein. Je rappelle que c'est la chambre de Rack, hein. Et tous les deux, ils viennent dans sa chambre. Mon Dieu. Genre en mode normal.
Alors après, est-ce qu'il a lu comme... Non, là je pense qu'il faut qu'il parle. En plus, ils ont une photo ensemble et tout sur la table de nuit. Alors, je vous dis, je préfère vachement Dino que lui. Hein. Ah, moi, tu peux aller avec lui. Genre, il autorise à aller avec lui. C'est ça, en fait, je pense. Mais pourquoi ils viennent chez Rack? Toi, je t'aime pas, hein. T'as fait du mal. Mais en même temps, je suis content parce que s'il était avec lui, il ne pourrait pas y avoir un truc avec Dino. Donc... Ouais, mais bon, avec Cram, t'es venu. Quoi, genre, ah mince, c'était aujourd'hui le jour. Je comprends même pas pourquoi ils sont venus. Hein. Mon Dieu, mais c'est horrible. Mais moi je leur dirais de partir, quoi. Non, mais comment tu peux accepter ça? Et je rappelle qu'ils sont quand même chez Rack, là. On sent que oui, il y a un truc avec Cram. Et ils viennent tous les deux chez Rack. Non, mais c'est... Pourquoi tu acceptes ça? Là, c'est se faire souffrir, hein. Vraiment. Moi, je dirais au revoir, allez, partez. Je comprends pas, hein. Ça doit être horrible, vraiment. Bah t'en fais pas, il a bien compris hein, ce qui se passait. Hein. C'est n'importe quoi. Mon Dieu. Non mais c'est abusé. Et... Non mais franchement, concrètement, qui fait ça? Franchement, qui accepte ça aussi? Déjà de 1, tu fais pas ça, et de 2, tu n'acceptes pas ça. Je rappelle que normalement, Rack est en couple avec Mec. Mais c'est un truc de fou. C'est abusé. C'est abusé. Et je rappelle quand même que Cram, c'est son copain. Il est pas mal, bien avec les lunettes. Hein. J'aime beaucoup. Avec la boucle d'oreille. J'aime bien. Je le trouve très charmant. Moi, je joue beaucoup avec le physique aussi, hein, je vous le dis. Hein. Ah, mais j'aime pas trop. Non. Il y a un peu trop foufou. Hein. Non, un peu trop. Par contre, il est très charmant, Dino. Hein. Et il a des airs dans The Promise. On l'a fait sur la chaîne pour ceux qui savaient pas. J'ai adoré The Promise. J'espère que je vais aimer Dinosaur Love. Et qu'il va passer sur la chaîne surtout. Il est pas bien. Qu'est-ce qu'il y a, Dino? Bon, en même temps, vu comment avec Mec c'est fini, je pense que tu as tes chances. Hein. Déjà, en plus, c'est pour ça qu'il t'a bloqué. Oh. Comment ça, il a bloqué? Il a pas répondu. Alors, je le trouvais mignon, mais de loin. Mais bon, il a un petit charme quand même. Il a un petit charme. Je sais pas comment il s'appelle. Mais il a un petit charme.
Mais il fait trop bizarre quand il danse. Oh non. Mais oui, il est amoureux. Souéa. Briser le cœur comme ça. Oh. Ouais, il est mignon, Rack. Il est très mignon, Rack. J'aime bien. Il a une bonne bouille en plus. On dirait un petit lapin. Oh, oh, oh Rabbit. Bah, il était. Mon dieu, et Souéa, mon dieu, qui tousse. Nous étions en train d'échapper à un gangster. Ok. Tino a percuté quelqu'un. Ouais, ça c'est vrai. Oh, c'était magnifique. Je suis désolé. C'est ton téléphone. Je peux avoir ton Facebook? Tu me plais. Pour les dédommagements, c'est ça au départ. Et tu me plais. Et t'as bien écouté, hein. Et on va te brosser dans pas boire. Oh. Ah, mais moi, tant que c'est direct. Ça lui ressemble, ah. Ouais. Les deux, peut-être. Mais oui, il y a encore beaucoup d'espoir pour toi, t'en fais pas. Surtout que le couple, ça se termine, donc... Il va le chercher. Oh, trop bien. Je sais pas comment... Ah, bah, il y a son Facebook. Je pense qu'il a mis des informations. C'est bien, n'abandonne pas, fonce. Non, il faut de l'énergie pour demain, donc il faut qu'il se repose. Demain, c'est une grosse journée, il doit retrouver Rack. C'est beau, j'adore. On croise les doigts pour qu'il passe sur la chaîne parce que j'aime bien. Mon dieu, alors Souéa, c'est un peu un foufou, hein. Mon dieu. C'est un très foufou. Oui. Ah bah bravo. Par contre, c'est abusé, mec, crame et la situation là. C'est les potes de Rack. C'est les potes de Rack. Il est tout calme. J'adore son visage. Franchement, je le trouve super mignon. Il est adorable. Ouais. C'est très couleur pastel, hein, quand même. Oh. Ah bah peut-être qu'ils vont revoir peut-être qu'ils vont voir comment il s'appelle Dino. Ok. Oh, il est trop mignon. Il y a un truc ou pas? T'en fais pas, bah. Il a l'air super sage, par contre, j'adore Rack. Franchement, j'adore Rack. Je le trouve vraiment adorable quand je sors avec toi. Je crois que je vais pécho ce soir. C'est Dino! Ils sont pas loin! Monte!
prends l'escalier le plus proche. Oh, c'est trop bien. Il le cherche vraiment. Oh, c'est bien. Il est vraiment tombé sous charme. Oh mince, il se rate. Il est au 4 et eux, ils sont au 5. Oh non. Regarde en bas, regarde en bas. Oh non, il a raté. Regarde en bas, ils sont en bas. Baisse la tête. Il est trop beau. Pourquoi t'as pas baissé la tête au bon moment? C'était pour nous faire languir. Mais oui. Mais peut-être c'est au même endroit où ils étaient hier. Il est tout timide. Mais en même temps, vous savez, je pense qu'il s'est dit, tiens, ça va lui faire du bien de sortir. Parce qu'avec son mec, ça se passe pas... Ça y est, c'est terminé, je pense. Mais en même temps, il est pas très bien, je pense aussi, parce que... Cette histoire a été importante pour lui. Donc, ouais, ça doit pas être évident, quand même. Mais il est trop mignon. Juste un peu éméché. Ouais. Parce qu'il est pas très bien, votre pote. Son mec l'a trompé avec son meilleur ami. Enfin, je sais pas si c'est son meilleur ami, crâne. Mais en tout cas, c'est son ami, ça c'est sûr. Mais non, c'est pas rien. Oh. C'est dommage, il dit rien. En tout cas, j'espère qu'il a mis fin à cette relation qui est inutile de continuer. Parce que si mec et crâne sont ensemble, lui, ça sert à rien qu'il reste. Hein. Ils vont pas faire un trio. Hein. Ouais, c'est ça. Il va noyer son chagrin. Plus que noyer, attention hein, quand même. Hein. Surtout si tu revois Dino. Je sais pas si on est au même endroit ou pas, où ils sont sortis hier soir, Dino et Suea. Je sais pas, on va voir. Il est trop mignon, Rack, j'adore. Et ils ont l'air d'être des bons potes, hein. Il a une bonne bande de potes. Malheureusement, c'est dommage parce qu'ils peuvent pas se parler vraiment. Parce que vous voyez, il en a pas parlé. Bon, ça y est, se lâche. Un verre de fortune. Il est bourré. Il va tomber. C'est Dino qui l'a rattrapé. Ah, c'est Dino qui l'a rattrapé. Les choses, elles sont très bien faites. Bon, après, je sais, c'est écrit par des scénaristes, mais c'est très, très, très bien fait. Oh là là, j'adore. Waouh. Coup de foudre. De nouveau. Il est beau, hein, Dino. Hein. Rack, il est tout mignon, mais Dino, il est beau. Hein. Je t'ai enfin trouvé. Oh. Bah oui, te chercher. Ah mince! Ah non, ça va. Je crois qu'il allait vomir. Allez, je peux te ramener chez toi. Oh, il est amoureux! Oh, c'est mignon, j'adore! Mais oui! C'est bien qu'il ait retrouvé. Bah, vous êtes rentré dedans. Et il a chanté une chanson. J'adore. Non. D'accord. Ça c'est vrai. Je suis là.
Cité de mes rêves. Mais oui, pourquoi tu tues pas là-bas? Pourquoi? Je ne veux pas en parler. Ah, mystère. Ah, petit secret à découvrir. Oui, te ramener. Ah oui. Si tu faisais... Oh, j'adore. Tu me plais vraiment. Comment tu t'appelles? Rek. Oh, j'adore. Je vais apprendre à te connaître. Oh, c'est trop mignon. Au moins, c'est clair. Ah, il dit oui. Pourquoi? Arrête de mentir, c'est fini ton histoire avec mec. Arrête. Tu sais que c'est fini. Mais ouais. Oh. Mais non. Un coup de foudre, on n'explique pas, hein. C'est vrai, hein. C'est fou, ça. J'ai croisé ton regard. C'est quelque chose comme ça qui arrive et sur nous et on comprend pas. Moi, j'en ai eu plein de coups de foudre, hein. Je le sais. Malheureusement, c'est toujours à sens unique. C'est bien qu'il le ramène. Par contre, qu'il lui dise qu'il a été pris, qu'il est pris, alors qu'il sait très bien que son histoire est finie, c'est dommage. Mais je pense que c'est peut-être un petit peu pour... Genre, voilà, je suis pas comme ça, je suis pas facile comme ça. Oui. Non, je pense pas, mais bon. Je pense qu'il doit se dire, mais quand même, c'est pas terminé complètement, quoi. Alors, je pense que tous les parkings se ressemblent, parce qu'on dirait le même parking que dans Be My Favorite, où vit Kawi, la résidence étudiante. Il a dû faire chaud, hein. Ouh. Les cheveux un peu mouillés et tout. Ils sont trop mignons tous les deux, j'adore. En même temps, qui porte des vestes au cuir comme ça alors que je pense qu'il doit faire chaud? Et chante ton numéro pour que... Ou au moins accepte-le sur Facebook déjà. Alors je vais le prendre. Il y a mon numéro enregistré dedans, tu me dis. C'est son pote qui dansait là, Suya. Ouais, c'est gentil. Ah, je vais te débloquer de Facebook, c'est trop bien, hein. Pour l'instant. Tu crois que... Non. Mais dis-lui que ça se termine là, ton histoire. Je veux pas être ton ami. Oh là là. Oula. La musique déclare quand je suis avec toi. Oh là là. Il déstabilise, hein. La carte de visite. Appelle-moi quand tu veux. Il a une carte de visite. Oh, tu veux. Dino. J'adore. Je suis là pour toi. Franchement, je pense que vraiment, il est très bien ce dino. Et que il faut pas qu'il hésite. Mais en même temps,
Je trouve que c'est très bien de se faire désirer. Ça y est, c'est terminé. Ah non, il reste encore. Est-ce que je lui ai brisé le cœur? Bah, franchement, de dire que t'es en couple alors que ça se termine avec mec, je sais, franchement, c'est peut-être pas nécessaire. Ah bah, il est là. Ah non. Je pensais pas qu'il allait être là. Finissez votre histoire, les gars, ça sert à rien de continuer. Même si c'est dur. Ah ouais, c'est dur ça. Non, mais une fin de votre histoire. Ben ouais, mais bon, il pensait pas que vous alliez. Et hier soir sur le canapé, c'était de la comédie. Hein? C'est fou ça, les gens qui ont. Tu sais, ils te font culpabiliser alors que toi tu t'as rien fait. Non, mais ça, c'est... je déteste ça. Oh là là. Tu parles. Moi, j'y crois pas à ça. Et hier soir, vous étiez proche? Non, mais dis-le ça. Oh, moi, je redis. Je vous ai vu hier soir dormir ensemble, hein, emboîté. C'est grave. Coucou mon amour. Qui est-ce? Tu peux demander. Tu as le crack, n'est-ce pas? C'est qui lui parle? Et toi? Quelque chose à me dire? Eh ben, c'est Dino. Il est amoureux de moi. Les bras autour de sa taille. Ben, pour s'accrocher, pour pas tomber. Vous voyez comme c'est fou, hein? Il remet la faute sur lui. Après, c'est lui qui se sent coupable. C'est lui qui va mettre fin à la relation, tu vas voir. Mais on est chez qui là? On est chez Rak ou chez lui finalement? Ah non, il va retourner dans sa chambre étudiante, d'accord. Bon.
Alors là, vous voyez, il se sent coupable, comme c'est pas possible, alors qu'en fait, il a rien fait. C'est abusé. C'est abusé. Franchement, c'est abusé, parce que... il a rien fait. Et puis, on a bien vu, le soir où ils étaient ensemble, comment il était avec Ram. Il est en cours. Mais bon, ça va se finir. Pour l'instant, attends. C'est dur. Ah. C'est qui? Il sourit en tout cas. Ah, parce qu'il a débloqué, il a dit qu'il allait débloquer sur, sur Facebook. Parce qu'il a débloqué. Je crois que c'est ça. Tu peux dormir. Il est sympa lui, hein? Ouais, ça suffit la boisson. C'est comme la série qu'on avait fait sur la chaîne que je... Oh là là, Sotus, j'avais adoré. Mon dieu. J'avais adoré, adoré, adoré. C'est vraiment une série que, genre, il faut regarder. Vraiment, une fois au moins dans sa vie. Parce que franchement, cette série est juste magnifique. Il va être le chef de Sotus. Non? Je pensais que c'était terminé, moi, tout ça. Mais peut-être qu'il y a encore. Chez les ingénieurs. En tout cas, Rack voulait être dans la même école que lui. Mais on sait pas pourquoi, ça s'est pas fonctionné, il a pas dit. Oh, Charlotte. Revers de fortune, c'est écrit aussi en français, hein. Et là, Charlotte, c'est bizarre. Si vous aimez la France, hein, ces acteurs de Thaïlande, là, ben venez, voyons, venez. Venez, venez. Moi, je vous fais des interviews et tout, il n'y a pas de souci. Je sais pas qui c'est. Ben non. Je sais pas qui c'est qui l'appelle. Ah ben c'est crâne, non? Ah bah c'est Kram. Laisse tomber, hein. Il est plus sexy que mec. Mais il est énervant. Je crois que c'est Kram, mais c'est n'importe quoi lui, hein. Je me demande comment il fait pour être ami avec lui finalement. Très bizarre, hein, ce crâne finalement, je sais pas. Moi j'ai l'impression que finalement il est intéressé par un mec. Et en étant Dino du coup. Ah, c'était crâne.
C'est pas un bon ami, lui. C'est ça. Tiens, comme par hasard, je dois y aller. Finalement, je l'aime pas, moi. Finalement, Tram. Parce que si c'est son pote, ben, il devrait pas faire ça. Vraiment pas. Donc ça veut dire que c'est pas son pote, hein. Non. Il a Evoli. J'adore Evoli. Je l'aime pas du tout, moi, ce crâne, hein. Non. Non, non, non. Appelle-moi. Je suis là pour toi. Oh. Il va lui envoyer un message. Ah, ok, et c'est comme ça. Tu fais votre demande d'avis. Ah, ok, d'accord. Venez chez moi. Oh, c'est trop mignon, j'adore. Je regarde s'il n'y a pas un petit bonus. Non, mais je crois qu'il y a le truc de la semaine prochaine, non? Non, c'est des photos. Ok. Ah là là. Alors, premier épisode de Dinosaur Love. Très positif, bien sûr. On aime beaucoup, franchement. J'aime énormément. Hâte de voir la suite, forcément. Je pense que oui, au fur et à mesure, mais il va s'éloigner de mec. Et puis il va se rapprocher du Dino, donc ça c'est cool, j'espère. Dino, mon dieu, mais waouh, c'est surprenant et en même temps super d'être comme ça assez franc et de dire les choses telles quelles. C'est-à-dire, ouais, tu me plais, ok, bah, je vais tout faire pour te draguer. Au moins, tu le sais dès le départ. Voilà, il n'y a pas de sous-entendu ou quoi que ce soit, non. Là au moins c'est clair et j'adore ça. Côté franc et honnête et genre, voilà, sans arrière-pensée, vas-y, j'y vais, je fonce. Et ça j'adore. Ensuite, après, au niveau des autres personnages, ben, ça va se faire au fur et à mesure. Cram, je le déteste. Je pense que vraiment, pire que mec au final, parce que je pense qu'il est plus sournois, vous voyez. Cram s'est rapproché, je pense, de, comment il s'appelle déjà, de Rack, pour pouvoir se rapprocher de mec. Puis maintenant, tiens, ah ben tiens, j'ai vu avec un beau mec, il s'appelle Dino, je suis aussi, allez, je déteste ça, je déteste ça. Mec, je pense que, franchement, c'était pas cool ce qu'il a fait, parce qu'il a retourné la situation et il a fait... il a rendu coupable Rack, alors que Rack, en fait, ben non, il est super adorable et super gentil, donc voilà, j'adore Rack. Franchement, il a une bouille adorable. J'adore aussi... comment il s'appelle déjà j'adore aussi, ben, forcément, Dino, ça c'est clair. Souéa, je le trouve adorable. En fait, j'ai l'impression que les potes de Dino sont l'air super sympa, donc ça c'est cool et ça a l'air d'être des gens bien, donc on va voir après. Mais du côté de, par contre, de Rack, c'est un peu compliqué. Il a pas l'air d'être complètement lui-même avec eux. Et par exemple, vous voyez, il sentait que ça allait pas au bar, mais il a osé rien dire, donc je sais pas. Est-ce qu'on est assez à l'aise pour parler ou pas quand on est avec des potes? Normalement, oui. Là, j'ai pas l'impression, donc on va voir. En tout cas, je pense que Dino va pas lâcher l'affaire, et ça, j'adore. Donc, je veux voir la suite pour savoir. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, d'aimer les vidéos, tout ça, bon, vous le savez, de commenter. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt. Plein de bisous. Ciao. Bisous.